Entre nous culture. André Bonner, bonjour. Bonjour. Le phare du bout du monde, c'est toujours votre bébé. Toujours, oui. Vous êtes à l'origine, en fait, du phare du bout du monde de La Rochelle. Oui. Et la découverte ou l'aménagement, toujours, du phare du bout du monde à l'autre bout du monde. Non, on a reconstruit là-bas le phare sur l'île des États, à côté du Cap Horn. Qui était en ruine. Oui, oui. Il y a 22 ans maintenant. Et puis là, on fait un événement pour les 20 ans du phare de La Rochelle, qui lui a été inauguré en 2000. Et là, depuis octobre dernier, on a monté une opération qui s'appelle Gardien de phare, dans laquelle on invite les adhérents d'associations à être gardien de phare pendant 24 heures. En échange de quoi, on leur demande de nous traduire leurs ressentis par moyen d'expression. Les films, les sculptes, les compos. Voilà. Et aujourd'hui, on en est au 226e. Tous les jours, on change de gardien. 226e, autant d'hommes que de femmes, je non, crois. Non, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Elle préfère un peu de liberté, un peu de souffler et un peu. En gros, il y a une trentaine, 30% de Rochelais. Après, encore un 30% de restant de la région Aquitaine, qui est grande, donc ça fait 60%. Et après, le reste, c'est le restant de la France, c'est 40% qui reste. Le restant de la France, c'est étranger. On doit avoir 25 étrangers, dont la plus loin. Devait venir d'Australie, mais avec la Covid, elle n'a pas pu venir. Et aujourd'hui, vous êtes à la librairie Les Saisons. Voilà. Pour présenter votre nouveau livre. Ouais. C'est le même livre, mais revu. Oui, c'est le même livre revu. Et puis, en plus, sur le premier livre qui est sorti en 1999, le phare de La Rochelle n'existait pas. Donc aujourd'hui, j'ai rajouté 32 pages sur l'histoire du phare, enfin, sur la construction du phare de La Rochelle. Ouais. Sur le phare de La Rochelle, sa construction, et ses 20 ans, en fait. Et... Oui, et sur le projet Gardien de phare aussi, j'en parle un petit peu. Et le projet Gardien de phare, justement, tous les écrits, par exemple, ou les œuvres des gardiens, c'est vous qui les récupérez? Oui, on les récupère. Et l'idée, c'est de faire une exposition en juillet, août, au Musée maritime, en partenariat avec la mairie de La Rochelle et le département, la Charente maritime. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce livre? Le phare du bout du monde, par exemple, de La Rochelle, bien sûr. Il est revu parce qu'on a ressorti des nouveaux dessins. Il y a des nouvelles photos et surtout, il y a un volet de 32 pages sur la propre à la construction de La Rochelle, comment ça s'est passé. Parce qu'en fait, le phare de La Rochelle, il appartient à la ville de La Rochelle, puisqu'au moment où la ville a décidé de construire ce phare, le gouvernement, lui, avait décidé de ne plus construire de phare, prétextant, comme il y avait des GPS sur les bateaux, que c'était plus utile de construire des phares. Donc, ça a eu une volonté de la mairie de La Rochelle, à l'époque avec son maire Michel Crépeau, de dire, ben non, on va quand même construire ce phare, qui aujourd'hui est maintenant un monument emblématique de la ville de La Rochelle. Et vous vous êtes rejeté? Non, moi je suis rejeté de la notion, mais bon, je suis rejeté, ça fait 40 ans que je vis ici, ouais. Oui, donc. Ouais. Et des nouvelles du phare du bout du monde, celui qui est là-bas tout au loin? Eh ben lui, il se porte bien aujourd'hui. On y était en mars 2019, puisque on s'était rendu compte, quand on avait été pour les 20 ans du phare sur l'île des Étangs en 2018, que le système de lumière qu'on avait installé 20 ans plus tôt est obsolète. Donc on a monté une expédition en 2019 pour échanger tout le système de lumière. Et là, on s'est rendu compte que tout ce qui est construction du phare n'avait pas bougé, quoi. D'accord. Donc, il y a de la lumière. Il y a de la lumière maintenant. Le phare est en bon état, quoi. C'est une lumière de phare, une lumière d'alerte pour les bateaux. Ah oui, c'est un phare. Les deux sont des vrais phares. Hein. Oui. Celui de l'île des États a 2 éclats/seconde, que celui de La Rochelle a 3 éclats/seconde. Mais c'est des vrais phares qui sont restés sur les cartes et qui ont un rôle. Donc on ne peut pas les confondre. Non, on ne peut pas les confondre. Très bien. Merci beaucoup. Alors. Par contre, là-bas, au phare du bout du monde, à l'autre bout du monde, on y habite, on peut y habiter? On peut habiter dedans comme dans celui-là, mais c'est très sommaire. Quoi. Oui. Ouais. Et puis, il n'est pas aménagé pour recevoir, faire l'hôtellerie. Quoi. Et si on veut acheter son pain, il faut aller loin. Ah non, il faut amener la farine. Très bien. Merci beaucoup. Vous montrez votre livre. Voilà. Le phare du bout du monde. Voilà. Et ça, c'est la photo du phare là-bas sur l'île des États. D'accord. Vu du réseau. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Bon, vous êtes allé vous-même dans le phare de La Rochelle, là? Oui, moi j'y étais. Vous avez passé 24 heures dedans? Oui, il y a 3-4 jours. Ouais. Ah, très bien. Ça va, tout se passe bien dedans. Ah ouais, c'est super. Maintenant, il a une âme parce que tous les gardiens ont laissé un petit message dedans. Et maintenant, quand on arrive dans ce phare, on sent qu'il y a une présence qui est là. Et il y a tous ces gardiens qui sont passés et qui ont laissé un petit souvenir et une impression, une sensation à l'intérieur. Merci beaucoup. Ah, de rien.
Entre nous culture.